Eh bien bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout pour l'épisode 6 de Zelda Echoes of Wisdom. Pour la suite de l'aventure, on continue juste après avoir fait donc la première mini-faille que le peuple Gerudo nous demandait, parce que apparemment on n'est pas apte à la croyance, malheureusement personne ne nous croit. Donc il faut prouver, je tourne à la suite des deux précédents. Et c'est parti. Il faut que j'aille dans cette faille-là, donc on va directement se téléporter. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu pour l'instant. De l'eau, de l'eau. Ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé? Nous étions en train de patrouiller autour de la faille. Mais alors, nous combattions les monstres, nous sommes tombés à court d'eau et voilà le résultat. J'ai si soif, je ne peux plus bouger. C'est terrible, il faut vite que vous buviez quelque chose. Mais de l'eau, ce ne suffira pas. Il faudra quelque chose qui puisse vous déshydrater et vous redonner des forces en même temps. Je sais, Zelda, tu voudrais bien aller me préparer un smoothie au cactus au bar à smoothie de l'Oasis. Pour ça, il te faudrait deux cactus Glaglia. Tiens. Moi, je reste ici pour veiller sur elle. Je compte sur toi, Zelda. La faille de la cité. Ok, il faut juste que je fasse un cactus, ok. Un smoothie, je veux dire. Ok. Ça m'a l'air d'être pas hyper non plus hyper compliqué. On va faire. Hein. On va faire. Hein. Smoothie. Je veux smoothie. On a pris deux là, oui. Smoothie cactus. Ok, maintenant revenons ici. Je dois parler à qui là, toi? Ah, un smoothie cactus, merci Zelda. Allez les filles, buvez ça. Phew, je revis. Je sens les forces me revenir. Merci à toi, maintenant. Nous allons pouvoir monter la garde à nouveau. Ben, on dirait qu'elles ont retrouvé la forme. Il faut que je retourne à l'Oasis. A plus tard, Zelda. Impossible de créer une entrée ici. Il n'y a aucun endroit qui convienne. Ok, donc ça, on a fait. Du coup, on a toute cette partie au nord qu'on n'a pas visitée. Qu'on va visiter. Du coup, hop, se téléporter. Donc, voyons ce qu'il y a. Ça, j'ai déjà récupéré. Par contre, on a des trucs qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas vu, pardon. Genre, typiquement... Piranha des sables, hop. Ouais, ça m'a l'air un peu compliqué quand même là. Ah. Euh...
Attendez. Hop. Il y a peut-être quelque... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, mais là, on est revenu ici. Ok. Ah, petit quart de cœur. Attendez, attendez. Ah oui, ok, ça c'est les sables mouvants, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Donc attendez, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je vais essayer d'aller par là, je pense. Non. On va se... Merde. Est-ce que je ferais pas un petit truc genre chauve-souris, et je prends la chauve-souris et je saute. Merde, le con, je me suis failli. Super, faut toujours que je recommence. Ok, recommençons. Je fais ça. Non, pas ça, se lever. Je veux la chauve-souris. Non, mais... Ok. Non, mais... Je veux juste la chauve-souris, en fait. Voilà. Et je... Non, je... J'attrape. Non, je veux attraper. Je veux attraper... Super. Non mais vraiment, ça, tout, tout à fait. Non mais on va arriver. On va y arriver. Parce qu'en fait, moi, il faut que j'appuie sur B pour sauter, mais ça ne marche pas vu que je suis sur un lit. Super. Franchement, ça, c'est nickel en fait. On va changer. Changer de tactique. Ok. Je peux encore faire un, je crois, là. Mais si je fais ça, ça casse tout. Oui, ça casse tout, forcément, oui. Attendez, attendez. Que je me capte. Comment je peux faire un truc? Ok. Non mais, je galère, je galère, c'est la galère. Attends, attends, il y a lui déjà, il me fait chier là. Pirate, hop. Mémoriser. Pobline à massue, ok. Bon, on va... je vais crever. Comment on utilise les smoothies à boire? Alors, directement comme ça, voilà. Thank you.
on va utiliser un truc plus puissant. Le peanut. Voilà. Ah, j'ai fait toucher. Mais c'est la merde là en fait. Ah, je me suis fait éjecter. Nickel. Ok, on fait à notre technique. Chacun sa technique. Ah, ok, c'est bon. L'écho du boomerang. Ok. Quoi? Elle m'a touché. Mais no way. Ça va pas du tout en fait là. Ça va pas du tout parce que je vais mourir en fait. Ça ne va pas du tout parce que je vais mourir en fait. La carte c'est que ça merde en fait. Tout est brouillasseux en fait. Il y a un quart de cœur que je dois récupérer là. Ok. Pourquoi faire simple qu'on peut faire simplement bourriner en fait. Le bourrinage était plutôt sympathique en fait. Ok, donc il y a une grotte ici, allons-y. Ah attendez, faut que je kick ça en fait. Mémoriser. L'écho du nid de grouilleur. Ok. Et on va récupérer un écho. L'écho du grouilleur. Ok. Ok, parce que ça arrêtait pas de faire ça, donc j'ai préféré m'arrêter à tout ça. Ok, petit coffre. Fragment de puissance, ok. Ok, nickel. Bah là, je sais pas trop où je suis. Ah, petit truc. Bah, ils ont enregistré. Bon, lui, ça va, c'est qu'il me fait pas beaucoup de dégâts. Il me fait d'ailleurs même pas de dégâts, en fait. Donc, vraiment la technique de Feignas, mais ça marche.
Et voilà. C'est quoi par là? Il y a un petit endroit par là que j'aimerais bien visiter. Donc on va visiter. Mais je veux... Tarknut. Tarknut, bam. On peut peut-être additionner avec petite chauve-souris. Voilà. Darknut. Ah merde, c'est vrai que j'ai que 4 trucs. Attendez, attendez, attendez. Hop. Chauve-souris. Y a pas un truc mieux qu'une chauve-souris que je peux prendre là? Y a un slime, ouais. Non. Lui il est insensible au coup donc. Bon, il va mourir un moment mais. Mais il est résistant. Ok. Hop, Darknut. Chauve-souris. Darknut. Au pire, on fait une attaque de chauve-souris, hein. Ça marche aussi, hein. Ouais, je me suis fait toucher. Bon, c'est pas très pratique quand même. Hein. C'est pas très pratique. Peut-être ça, c'est mieux. C'est peut-être mieux ça en fait. Bon, il était quasiment mort. Il était quasiment mort. C'est vraiment OP en fait. J'aurais dû utiliser ça dès le début en fait. Ok. Ah, Mobine rouge. C'est pas où je m'embarque, mais j'y m'embarque. Ah, je suis mort. Voilà, au moins c'était... c'était aussi rapide que la découverte de ces monstres. Ah mais en fait il me one shot en fait. Après le problème c'est que j'ai que 3 coeurs qui repop. Hein. Bon on va pas mourir là.
On va pas mourir. On va faire diversion avec Dartmut. Ah mais c'est électro-guidé en fait. Bon, je crois que je me suis embarqué dans un truc qui va peut-être pas que j'aille tout de suite. Mais on va dire que j'y vais. Peut-être Piranha, ça va peut-être plus vite, non? Ça va trop vite. Je peux pas esquiver en fait. Je peux pas esquiver, ça va vraiment trop vite. Non mais je pense que ça c'était pas mal en fait. Le tabou là. Mais attends, mais je t'ai attaqué, je t'ai pop un truc dessus, il aurait dû être en fait enflammé là. Il aurait dû être enflammé. En fait, je peux pas savoir en fait. En fait, c'est vraiment électro-guidé en fait le truc. Les momines rouges me font la misère là en fait. Mes momelines rouges me font la misère. Peut-être les momelines à un moment là. Hop. Ah c'est pas mal ça en fait. Oh mais nique ta grand-mère, pardon. Mais ils sont trop forts en fait. Ils sont trop forts. Mais au moins je pense que si j'ai... Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Lui, c'est vraiment celui à boomerang qui casse les couilles en fait. Ok, il est mort lui. Ok, mémorisé. Les couilles du pape toin au niveau 2, ok. Ok, là normalement je devrais pas mourir. Hein. Faut juste que je parle un petit peu. Voilà. Que compliqué, hein. Compliqué, hein. C'était compliqué, hein. Là, je me suis fait un petit peu ouvrir, hein, quand même. Hein. Faut le dire. Je sais même pas combien j'ai eu de morts depuis le début du jeu. Mais là, je pense que... rien qu'avec ça, j'ai dû mourir 10 fois. Le gant énergie. Quand portait ce gant... fait d'un étrange matériau, les monstres noirs vaincus laissent davantage d'énergie plus souvent. Ok, donc ça c'est un item quand même relativement important.
Mais je me suis fait déchirer la gueule, hein, quand même. Je veux juste savoir s'il n'y a pas des petits trucs là-haut, là. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Bon, on s'est arrêté ici. Retour retour de ma technique ultime. Voilà. Ok, on est arrivé dans la zone où il fallait que j'aille. Ah, quelle poisse, les flambeaux sont éteints. Et à cause de la faille, impossible de m'approcher de la tombe, je n'arriverai jamais à la rallumer. Tant qu'ils seront éteints, nos ancêtres ne pourront pas reposer en paix. Ok. Donc, la technique... quelle est la technique en fait là? Bah déjà, pousser ça déjà. Ok, voilà déjà. Voilà. Il est mort le truc là? Non, il est pas mort, hein, j'ai l'impression. Quoi? Trois trucs qui me met le truc là? Mais no way. Ça va être compliqué la suite là. Je suis mort pas mal de fois déjà. Alors peut-être que c'est peut-être pas le meilleur des bails ce que j'ai fait. Baba Mojo. C'est fait ouvrir. C'est de la merde. De poisson peut-être. Non. Et là, il crame en tout cas. Non. Ok, j'ai la taupe, ok. Du trouilleur, ok. Il est mort là? J'ai l'impression qu'il est mort, ouais.
Ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ça là? J'ai dû louper quelque chose, je crois, là. Ah, mais je peux sortir de ça, oui. Attendez. Ouais. Toi, t'es pas mort, en fait. Ok, là, il est mort. Mais ça ne change rien à mon problème. Ah oui, ok, j'ai compris. Que j'avais pas vu. Y a un truc ici, ok. Qu'est-ce que je peux prendre là? Ah mais peut-être que ça en fait... Attends, peut-être que ce truc-là, il est pas mal pour faire déterrer les taux, peut-être. Peut-être que c'est ça, c'est pas mal en fait. Ok, mais comment là je le fais faire pour déterrer... Ah oui, peut-être qu'il faut que j'utilise du coup le trouilleur là. Là, peut-être que c'est le trouilleur qu'il faut que j'utilise pour qu'il fasse un trou. Ok, pas mal en vrai. Ah, mais du coup, je me suis foiré là. J'aurais dû utiliser un trouilleur dès ici en fait. Bon, utilise-le là du coup. Là. Non, pas là du coup. Là. Me suis foiré là en fait. Ah mais il voltige. Non mais je suis coincé là. Hop. Ok, nickel. Compliqué cet épisode là. Complicado, hein. Ok. Ok, donc c'est là d'où je viens. Attendez. Je vais pouvoir récupérer le coffre du coup. Un œuf d'or, ok. Ah, comme c'est apaisant. Je ne t'avais encore jamais vu ici. Dis-moi, merci d'avoir rallumé les flambeaux. Le feu des flambeaux apaise nos cœurs. Va dire à cette jeune soldate que tout va bien à présent. Hein, tu as rallumé les flambeaux? Mais c'est vrai. C'est toi qui as fait ça, mais comment tu t'es prise? Tu as trouvé un passage secret vers la tombe? Ça alors, je ne savais même pas qu'il y en avait un.
Et là, la Gerudo qui était près de la tombe avait un message pour moi. C'est bizarre, je pensais qu'il n'y avait que moi dans cette grotte. En tout cas, c'est un sacré coup de main que tu m'as rendu. Je suis sûr que nos ancêtres aussi se réjouissent, merci. Je ne vois aucun endroit où je pourrais créer une entrée. On ne peut pas entrer dans cette faille. Alors Zelda, est-ce que tu as réussi à refermer une des failles? Je vois, t'as pas pu refermer aucune. Et tu n'y arriveras pas sans entrer dans le sanctuaire. Mais comment faire? Dame Tona. Dame Facette réclame votre présence. Elle voudrait savoir si vous avez trouvé la preuve que vous avez promise. Elle vous demande de vous rendre au palais avec Liliane pour lui faire un rapport sur la situation. Si c'est ce qu'elle veut. Nous ne pourrons pas lui donner la preuve de ton pouvoir, mais allons quand même faire un rapport. Je pars pour le palais, rejoins-moi là-bas, Zelda. Ok. Mais avant... Attendez... Ok, je veux juste faire un petit tour à l'oasis pour me faire un smoothie, en fait. Pour me faire des smoothies. Parce que c'est la merde, en fait. Niveau cœur, c'est la grosse merde. C'est la grosse de merde, comme on dit dans le milieu. Vas-y, je ferai ça. Petit smoothie. Potentio. Ok, je fais ça. Mais peut-être que j'ai fait qu'un seul smoothie en fait, parce que vu que j'ai qu'un seul bol en fait, non? Mais non, si j'ai pas fait qu'un seul en fait. Ah non, j'en ai fait deux. Ok. Ah bah attends, j'en vais en boire un directement, voilà. Je vais en boire un directement. Hop. Mais ouais, on s'est bien fait arracher là quand même. On s'est bien fait arracher le cul par les ennemis. Alors, Dame Donna, avez-vous une preuve que cette hyène peut refermer la faille? Non, mais si vous vouliez seulement écouter ce qu'elle a là à vous dire, vous êtes revenu sans la preuve que vous nous aviez promise. Enfin, il était évident que c'était impossible. Cette jeune femme vous a dupé. Qu'en savez-vous? Quelle raison aurait-elle de nous tromper? Elle a tout à fait ce qui était en son pouvoir pour me prouver qu'elle pouvait fermer les failles. Absolument tout. Vous croyez que c'est juste pour se moquer de moi qu'elle s'est rendue aux quatre coins du désert? Je suis sûr qu'elle dit la vérité, et je vais lui donner une chance de le prouver. Je ne veux plus que mes camarades soient blessés, je préfère aller faire confiance à Zelda et d'aller refermer cette faille avec elle. Quoi qu'il arrive, je suis prête à en assumer les conséquences, chef, je vous en supplie. Laissez-nous ensabler l'entrée du sanctuaire. Tona, tu crois en cette jeune femme au point de risquer ton odeur de guerrière? Oui. Tu as grandi, Tona. Oui, et tu es courageuse. Moi non plus, je ne peux plus de regarder mon peuple souffrir sans rien faire. Si tu insistes à ce point, alors moi aussi, je veux croire en cette jeune hyène. Dame Selam. Si nous nous désensablons le sanctuaire, nous serons à nouveau envahis par les monstres. Je suis une guerrière, ne l'oubliez pas.
Si des monstres apparaissent, je saurai le leur rappeler. C'est de la folie. Que pensez-vous faire seul, contre tous? Elle ne sera pas seule. Comment? Qu'est-ce que vous venez de faire ici? Nous avons entendu votre conversation, chef Selam, dame Facette. Cette hyène nous a aidés alors que nous étions attaqués. Moi aussi, elle m'a aidé dans la grotte du repos. Et nous aussi. S'il y a une possibilité qu'elle puisse refermer les failles, alors nous l'aiderons. Nous aussi, nous combattrons aux côtés de Dame Thomas. Facette, tu as entendu nos guerrières et tu es certaine de ne pas vouloir écouter ce que cette dame, cette Zelda, a à nous dire. Mais enfin, que dites-vous? De tels propos sont indignes de votre fonction. Comment pouvez-vous ne pas voir que cette fille profite de votre faiblesse pour vous duper? Garde, cette fille est une scélérate qui tente de tromper le peuple Gerudo. Jetez-la en prison. Comment, Facette? Chef, c'est terrible. Que se passe-t-il? La faille qui se trouve dans les ruines du temple à l'est du désert Gerudo s'est agrandie et plusieurs guerrières en dèrent engloutis. Comment? Conduisez-moi là-bas immédiatement. À vos ordres. Venez, vous aussi. Bien. Dame Selam, attendez, c'est trop dangereux. Vous devriez d'abord vous préparer. La face est agrandie, peut-être que je pourrais créer une ouverture. Suivons-les. Ok. Donc on va aller là. On va aller là du coup. On va voir ce qu'on va pouvoir y faire. C'est pas là? Ah, c'est là-bas. Nos camarades sont à l'intérieur de cette faille. Attention, ne vous approchez pas, trop. Il faut les sauver, mais comment? Facette, comme tu l'avais conseillé, nous avons affronté les monstres sans relâche. Alors pourquoi la faille s'est-elle agrandie? Eh bien, nous n'avons assez sans doute pas encore suffisamment vaincu. Dame Selam, cet endroit est dangereux. Rentrons au palais pour revoir notre stratégie. Ne dites pas de bêtises. Nos camarades ont été engloutis par cette faille, nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Bah, on va rentrer dans la faille. Je crois qu'ici, je devrais pouvoir créer une entrée. Zelda, recule un peu, s'il te plaît. Zelda, est-ce que c'est... Tu vas entrer par là pour refermer la faille. Comme ça, nous pourrons retrouver nos camarades engloutis. C'est formidable, Zelda. Je t'en supplie, referme cette faille. Et on va rentrer dans la faille. On est bien dans le monde du néant, mais cet endroit n'est relié à aucune grande faille. Par contre, je ressens la présence de mes compagnons. Ils ne bougent pas du tout. Ils doivent être enfermés dans je sais quoi. Si on les libère, on pourra refermer la faille. Je ressens la présence de mes compagnons à 5 endroits. Ils se trouvent quelque part dans ce néant. Il faut les trouver et les sauver. 5 endroits.
Eh bien, on les sauvera dans le prochain épisode. Aujourd'hui, ce sera un épisode un peu galère, hein, j'imagine. Mais la prochaine fois, on va donc sauver les compagnons et peut-être rentrer cette fois-ci dans le temple. Je pense que oui, parce que je pense que là, on va refermer la faille. Les Gerudo vont nous dire « Ah bah tiens, je vais pouvoir refermer la faille. » Du coup, on va pouvoir aller dans les souterrains, désensabler, etc., etc. Je pense que c'est ça qui va se passer. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va re-rentrer dans le prochain donjon, parce que je vois pas le donjon pour maintenant. Donc voilà, je vous laisse. Tchuss.